Si je ne suis pas moi, qui le sera ? Bienvenue sur cette chaîne Le Havre, les animaux et nous. Je voulais vous parler de l'identité de soi. Cette phrase, cette citation, « Si je ne suis pas moi, qui le sera ?» Le fait que l'on soit tous uniques. Vous vous rendez compte le nombre de gens, de personnes, d'humains qu'il y a sur cette planète ? Il faut bien vous dire que chacun, chacune, nous avons un rôle à jouer. Nous sommes tous différents. Et le plus fou, c'est que dans cette société actuelle, on cherche à être comme tout le monde, comme les autres. On nous formate petits à devenir des bons petits soldats. Mais en fait, ce qu'on oublie, c'est que c'est pas possible. C'est juste pas possible. Au bout d'un moment, on se rend compte que ça va pas, qu'on se sent pas nous-mêmes, qu'on porte des masques. Et que ce masque-là, on l'enlève une fois qu'on est seul chez nous. Réfléchissez bien à comment vous êtes avec votre conjoint, avec vos enfants, avec vos collègues de travail, avec vos amis, avec votre famille. Et comment vous êtes, vous, quand vous êtes seul avec vous-même. Quand vous êtes seul face à vous, je suis persuadée que vous n'êtes pas du tout la même personne face à vous-même que face aux autres. Et pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, par peur. Par peur de quoi ? Par peur de la différence. Je suis bien placée pour vous en parler, parce que j'ai porté un masque pendant plus d'une dizaine d'années, une bonne grosse dizaine d'années. Le fait est aussi que j'ai décidé de m'aimer et de compter sur moi-même, de prendre mes décisions, et d'assumer complètement qui j'étais m'a permis de sortir de ces masques sociaux. J'ai pris la décision d'être moi et de faire ce qui m'animait et ce qui vibrait là, au fond de mon cœur. Donc cette vidéo est là pour vous faire réaliser que vous êtes un être unique et qu'il faut être fier de ça. Quand j'ai pris la décision de changer complètement de vie et enfin d'être moi-même, de m'aimer moi, avant tout, eh bien, aux yeux de mon entourage, aux yeux de mes proches, oh, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle est différente, elle a changé. En fait, non, je suis enfin moi-même. Je fais enfin ce qui me plaît, ce qui me fait vibrer. Et je le fais pour moi et pas pour les autres. Et ça, c'est très important. C'est très 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 important d'assumer qui l'on est au fond de nous, mais pour nous. Et pas pour satisfaire les autres, que, pas, voilà, que ce soit notre conjoint ou des amis, pour rentrer dans le cadre, non, sortez du cadre. Autorisez-vous de faire ce qu'il vous plaît, tout simplement. Et vous allez voir, la vie, elle est beaucoup plus belle et beaucoup plus fluide. Tout va s'ouvrir autour de vous. Et c'est ça le plus fou et le plus dingue. C'est quand on lutte contre soi-même, ben, voilà, que les choses ne se passent pas comme on aimerait. Alors que quand on assume pleinement qui l'on est, eh bien en fait on se rend compte que tout est fluide. La vie, elle est zen. Il n'y a aucun problème. Et même quand il y a des petites choses qui arrivent, on prend les choses différemment. Parce que justement, on assume qui l'on est et on est aligné avec qui l'on est, avec ce qu'on vibre. Le secteur dans lequel j'ai voulu donc œuvrer et qui était moi, qui me ressemble, le respect des êtres vivants, humains et animaux, la communication animale, au jour d'aujourd'hui, je l'assume pleinement. Quand on me demande « Mais qu'est-ce que tu fais comme métier ?» et quand je réponds « Communicatrice animalière », les gens, ils se posent des questions. Quand j'explique ce que c'est, certains doivent se dire, et je le vois à leur regard, « Ouh là là, mais elle est perchée celle-là » Je le conçois tout à fait. Mais je l'assume complètement. Parce que je sais que c'est possible. Je l'ai testé. Je me suis formée. Je le fais depuis des années. Je ne fais pas cette vidéo pour justifier ça. Je vous dis simplement que mon secteur est assez cocasse, et assez farfelu pour les yeux de la majorité des personnes. Mais c'est pas grave, puisque moi je suis alignée avec ce que je fais et ce que je veux véhiculer en fait autour de moi. Donc pour moi ça me pose aucun problème.
Ce que je veux dire, c'est que vous êtes tous uniques. Donc, vous êtes ici pour faire quelque chose qui est à votre portée, qui vibre en vous. On n'est pas là pour rien, hein, sur cette terre et dans cette vie. On n'est vraiment pas là pour rien. J'ai envie de dire, on a une mission, mais c'est pas une mission. On a quelque chose à faire, à venir faire ici. Avec les autres, seuls, mais on a quelque chose à faire. Et on est tous uniques. Donc on a tous cette chose unique à venir faire dans cette vie-là. Donc pourquoi faire comme tout le monde ? Dans ces cas-là, on s'oublie. On oublie pourquoi on est venu et pourquoi on est là. Donc demandez-vous, posez-vous cette question. Est-ce que là, au jour d'aujourd'hui, là maintenant, je fais ce pourquoi je suis venu ? Est-ce que là, au fond de mon cœur, au plexus, est-ce que ça vibre plus ? Ou au contraire, c'est lourd ? Là, il faut se poser des questions. Ok, ça peut faire peur. Certains peuvent se cacher la vérité. Mais il ne faut pas avoir peur. L'important, c'est de faire ce que l'on aime et ce qui nous fait vibrer. Et vous allez voir, la vie est royale, elle est beaucoup plus douce. On respire la vie et on aime ce qu'on fait. Tous les matins, on se lève avec le sourire parce qu'on sait qu'on va faire quelque chose qui nous passionne et qu'on aime. Et ça, c'est le plus important dans la vie qu'on mène tous les jours. Et surtout, dans ces temps de troubles que l'on vit en ce moment. Donc j'espère que cette vidéo aura pu vous aider à avoir cette petite étincelle et vous dire « J'ai toujours rêvé de faire ça, pourquoi je ne le fais pas ?» Eh bien faites-le. Et repensez bien à cette phrase « Si je ne suis pas moi, qui le sera ?» Personne. Il n'y a que vous qui pouvez être vous-même.